Thank you.
Just for you.
Yes, for you.
you're alive, huh? You too. And Oka? I'm sorry. It's the second time I've lost her. Love lasts for such a short time. But misery goes on and on. Now my path is an empty one. I have no love left, no dreams. Kato. Kamiyashiki, in Azabu, that's where you'll find Minister Ishimura. Now no one will get in your way. You should go and talk to him. And you? What will you do? The emigre manuscript. Yes. I give it back to you. Hey, wait. Don't you want to see Alice again? If you follow the instructions in that book, then you can be with her again. Wait a minute. I don't know how to use magic. Roger should be able to help you. He can bring her back to life. Exactly the way I did. Yeah, but isn't that... Yuri. From now on, I'm your enemy. Huh? This is the last time we'll ever speak as friends. What do you mean? The world as you know it will end. By my hand. If you really think that you can stop me, my old friend, bring everything you have. Unlike Nikolai and Rasputin, I won't depend upon the power of some evil god. I'll do it with my own hands. Come on, enough with the joking. This is no joke. If you want to know what my plans are, look inside that book. There isn't much time left. Kato! Farewell, my friend. Thank you.
I just hate to lose. Et bonjour, désolé, j'ai pas vu ton message. Comment ça va?
Ok. That was a pretty good warm-up. Ouais, c'est la fin là, ça va. J'avais dit que je voulais acheter des tentes. Mais cet endroit est très très chiant. Pourquoi je me transforme? Je ne sais pas. Non mais ça va. Ah mais... Je fais n'importe quoi. On va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver avec elle à faire une magie?
incroyable. Ah, t'as pas trop peur de te faire spoiler le jeu. Oh, c'est pas vrai. Les petites ânes, ouais. Ouais, bon, tant qu'il n'y a pas de scène, admettons, mais... Donc, si t'étais arrivé quelques minutes plus tôt, t'aurais pu quand même te faire spoiler gravement. Quoi. Mais vraiment, hein. Pas un petit spoil. Hein. Ah non, c'est pas ça, mais... Saut de force. Bon, il faut quand même que je change. Ah là, pour l'instant, je pense que t'es tranquille. Il y aura une scène après, mais... je pense pas vraiment à un gros spoil. On a bien compris que le ministre c'était un méchant. Hein. Ah, on va avoir des bons loot. J'hésite en fait à lui mettre à lui.
va essayer. Ah, faut vraiment que j'en achète. J'ai pas pris l'équipe que je voulais prendre. J'ai pas pris l'équipe que je voulais prendre. Tant pis. En disant que j'ai pour les boss j'ai une équipe que je préfère, mais bon, je pense pas qu'il faut changer entre les combats. Ça va être long, hein, ce que je fais. Puis en plus, je vais pas le faire. Je vais le scanner. Ah, désolé, mais bon. Ah, c'est cosmopolite, on va dire. Ouais. Donc, plutôt cette équipe.
qu'on se demande où est-ce qu'il a planqué son robot. Hein. Il rentre pas dans la pièce. Là. En fait, lui, ça va être lent parce que on peut lui faire que des dégâts magiques. C'est comme le l'autre là, donc. Ok, dans le premier. Puis en plus, ça lui apprend un truc. Ah oui, c'était quoi là ? Défense spéciale, non. C'est honteux, hein. Faut assumer, hein. Il a de la vie en plus. Et ça va pas me servir pour plus. Est-ce que je peux lui faire des dégâts si je lui mets une... si je mets un élément? Zéro. Pas grave. Just for you. Tape hein, quand même. Je
Ouais, ben j'en suis à peu près comme toi en fait. Là, enfin, je suis. Faut que j'aille à la pyramide. Là. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas trop de difficultés. Hein. Un peu plus facile que l'original, ne serait-ce que. Je me sens pas que dans l'original tu regagnes tous tes PV, tes PM quand tu passes un niveau. Il me semble pas. Ouais. Ouais, ben c'est juste après. Hein. Est-ce que t'as essayé des. Pardon. Est-ce que t'as essayé des classes un peu exotiques pour changer des trucs de base là qu'on donne? Ouais. Attends, qu'il a volé ça. Pas trop fan de ces classes là, mais. Ah, moi j'ai pris une guerrière. Parce que mon héros il peut équiper les fouets en fait. Et les bombes. Enfin, il peut tout équiper en fait. Enfin, quasiment tout. J'en suis. On va essayer bannissement. Hein. C'est pas mal ça. Ouais, le mage il déchire aussi. Ouais, tu l'as des graines, j'en ai une quantité astronomique. Hein. Je ne l'ai pas encore utilisé. Après, tu peux te mettre en draconien. Hein. Je pense que c'est comme Romantic Saga, le mode draconien, ça doit être le mode d'origine en fait. Bien d'accord. Bon, moi j'ai pris l'habitude de faire tous les jeux en normal. J'ai déjà fait le jeu sur Super NES. Mais... Je sais pas souvenir qu'il était vraiment difficile, mais... Bon, ça avance. Doucement, mais sûrement.
maintenant avec du magma. C'est pas grave. Je vais peut-être me faire un petit soin. Là, bon, c'est... Just for you. Mais ouais, le jeu est bien, hein, le jeu est sympa. T'as quand même pas mal de liberté, mine de rien. C'est pas si courant, hein, pour un jeu quand même de la NES. Ouais. Bah, je veux pas te spoiler ce personnage, mais ses compétences sont vachement utiles. Elle peut régénérer les points de magie, les points de vie, les points de santé, divers effets aussi, augmentation de défense, d'attaque, etc. C'est... Et ça dure plusieurs tours, là tu vois quand il y a une petite icône de parfum là au-dessus de tes persos. Donc là même si je peux pas faire d'aromathérapie, je peux en mettant défense. Ça continue à se faire. Oui. Le seul souci, c'est que tous ces effets sur elle, ça n'a aucun effet. Ça, c'est le seul problème. Mais bon, par exemple, tu peux te protéger des anormalités d'anneaux avec un parfum. Ou des états normaux, etc. Donc, j'aime beaucoup ce personnage. Dans le 3, il y en a un qui est pareil, qui fait la même chose. Allez, on devrait le tuer ce tour-ci. En fait, elle est immunisée à ses propres parfums. Le seul problème, c'est... Oui, c'est... Puis ça lui coûte des MP, mais pas beaucoup. Honnêtement, pas énorme. Allez, il va mourir. Meurtre saleté, c'est le titre. Jamais fait un boss aussi long, hein, de tout le jeu. D'ailleurs, on n'a aucun bonus. Ah,
Il va y avoir une scène assez difficile là. Je pense pas que ça te spoil plus que ça, mais ça va être assez difficile. So, you finally come. You're Ishimura, the foreign minister. I am he. I've wanted to meet you. You're Hyuga-san, aren't you? Yeah. And who has hired you to kill me? Russia? China? Nobody. Then, why is it that you seek to take my life? Because you're nothing but a murdering son of a bitch. Ouais, il a pas tout à fait dit ça. Nonsense. You're planning to use Nikolai to set off a war in Russia, aren't you? To protect Japan from the West, yes, that's correct. What do you mean? Unless someone in Asia stands up to them, the Western powers will take over here. China, Korea, and Japan all will fall. But I will not allow my beloved homeland to suffer such an ignoble destiny. That's a load of bull. Why do you have to stir up a war in Russia to do that? China capitulated, gave in to the West 100 years ago. Among all the nations of Asia, only Japan has been able to take a stand against them. But in order to successfully continue resisting, we must become bigger and stronger. We must plant the seeds of future power now on the Asian continent. And when the moment finally arrives for us to hurry to the aid of the beleaguered Russia, it will be Japan that will become the supreme ruler of all of Eurasia. So, that's why you've done all this? Correct. Is that why you used Kato to kidnap Nikolai? It was always my firm intention to have him become the ruler of the new Russia. That's insane! If you do that, it's gonna set off a whole new war! All wars end eventually. Suffering is merely temporary. What about all the people that will die? An unfortunate necessity. Bastard! You can kill me. But my plan will not end. Someone will take my place. No, stay in there, Kosuke. Kosuke, get away from here. Leave my grandpa alone. Don't you dare touch my grandpa, you hear? Out of the way! Kosuke! Please! My grandson is innocent! Don't kill him! Don't kill him! I'm begging you! Please! Please! Don't you dare beg for his life! What about the people you sent to kill in your name? What about the children whose lives have been snuffed out by your soldiers? How many parents have begged just like you for their children's lives? They cried and begged and pleaded for their lives. And they were killed anyway. They tried to protect their homes, and they were killed anyway. How many people will you sacrifice for your stupid, petty ambitions? Protecting them from the West, huh? Well, protect this!
for your country, huh? Well, here's what I think of that. I say you did it for yourself. Stupid, arrogant idiot. You should rot in hell. Rot in hell. Rot in hell. Where's Yuri? Huh? Well... he's still pretty down, huh? Well, I'll see what I can do to help. Roger? Karen, the leader of the Inugami clan was looking for you. For me? You sure? Yes. She's at the Fountain of Sukune. You couldn't kill him, huh? No. Even though you wanted to, right? Yeah. Hurts, doesn't it? Yeah. Good. That's how it's supposed to feel. Hmm? He's lost it all. His iron soldiers, his mad scientist, Kato, Nikolai, everything. All he's got to look forward to is a short, sad life. But it's more than enough time to think over all the crimes he's committed. The thing is, even he was just doing what he thought was right. He was fighting for his country, his grandson. But what have I been fighting for? When that kid was staring at me like that, I realized I had no idea. You're fighting for Alice, are you not? I think that you are. Huh? For the world she loved so much? The future? And also you? Her dreams were very important to you. So I think that maybe you fight to try to help her dreams come true. Am I wrong? Alice. Come on. You've got to buck up. This isn't like you. No matter how much you want to, you know you can't change the past. I know that, but I can't stop. It's difficult to live a life without having any regrets. Yeah, I've been alive for 700 years, and I've spent most of that time regretting. That's right, laugh. Laugh and just go on. That's the best thing to do. Then, you can look back at even the saddest things and smile. Yuri? Yeah? I'm going to bring Alice back to you. What? The emigre magic that Kato used on Olka. Many famous wizards have tried and failed.
Even I felt its dark call. However, I've always resisted its temptations. But... what is Kato planning? We simply have to find out what his intentions are. Like he said, the secret is in the book. You're going to bring the dead back to life? The two of us will. If one of us goes crazy and turns into a monster, then the other one will be forced to kill him and stop the magic. How about it? Okay. I want to do it. Good. Then let's hurry up and take off for Europe. Now I've got to prepare the tools I need in order to perform the ritual. You want to see me? So, how is he doing? He's still pretty depressed. I'm sure he will be fine soon. Yes. He is so much like my brother, inside and out. Is he really? You care for him, don't you? Yes, I like him a lot. I thought so. A woman like me. Do you think he could ever love me? Love you? I mean, you'd know as his aunt. Oh, come now. Don't be silly. Of course he could love you. Thank you so much. You're welcome. But what is it exactly that's worrying you? What is it, my dear? Nothing. It's just... yes? I know that he doesn't feel the same way. Are you sure? He's still in love with Alice. Alice? His lover. She died protecting him. But I love him too, more than anything. I don't think he knows how I feel. But you do plan to fight for him, don't you? Yes. That boy was born under a strange star. His whole life, he's been fighting with his destiny. His destiny? Yes. No matter what he does, he cannot escape. You too, Karen. You were born with a heavy destiny as well. Me too? Yes. I called you to this place because I wish to give you this. It's a photo of him, from just before he went overseas. I thought that you might like to see what he looked like as a child. Thank you.
Ah ben on voyage, hein, c'est sûr. Allez, je sais pas si j'aurai le temps de terminer ce donjon, mais... J'avoue que c'est moi qui ai trouvé ce subterfuge. Et en plus, il n'y a pas besoin d'aller à Florence, du coup. Bah, il n'y en a pas. C'est justement parce qu'il n'y en a pas qu'il fallait choisir un nom qui n'en avait pas. Ah oui, on va avoir les pièces d'échecs. Et puis si t'as fait Koudelka avant, tu sais bien que Calbert c'est pas Roger. Mais bon. Bon, on va y arriver là. Bah, Koudelka, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. Il est très très court. Hein. Je pense que j'ai mis moins de 15 heures pour le faire. Il est court et facile. Mais vraiment.
Dès que t'as... En fait, jusqu'à ce que tu récupères le troisième perso. Et après... Facile. Bon. Bêtisier. Ah merde. Il faut que je m'habitue à lui, là. Pas tout à fait la même zone de frappe. Le plus dur dans le jeu, c'est pas vraiment les combats, c'est savoir des fois quoi faire. C'est surtout ça. Dur, hein. Tu fais c'est vraiment les 4-5 premiers combats qui sont les plus durs. Qu'est-ce que je fais moi? Et ben, mort subite 4. Oui, non. C'est qu'à mort subite. Ah oui, c'est vrai. Thank you.
Alors, normalement... Savoir jouer aux échecs en plus. Je sais pas trop pourquoi je me transforme, mais pas vraiment besoin. Je suis sûr que... C'est un nom bizarre pour un jeu. Thank you.
Là, il va falloir m'expliquer. On n'est que le matin, mais... Ah, tu dépenses des points aussi. Honnêtement, j'aime bien tous les persos, hein. Ils peuvent tous être puissants, mais la magie, par exemple, c'est très... Au début, c'est vraiment puissant, et après, tu fais tellement tout au physique que... Voilà, je sais pas si je peux enlever Yuri de... Mais bon... Je te conseille pas de l'utiliser maintenant parce que c'est le dernier combat que je vais faire du stream. Remaster le 1 en stream, pas possible. Oh, c'est vrai, c'est vraiment nul, hein. Mais vraiment.
won. Because our hearts were strong. Ouais, bah je pense que. Moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais bon, il est pas long. Il est toujours sympa à faire. En plus, il sera en français. Ce serait bien qu'il ressorte le 3 aussi un jour. Non, il a des. Comme dans le premier, il a des problèmes. Là, tu vois le cimetière du 2, là. Sauvegarder là. De toute façon, il faudra qu'on revienne ici. Pour une petite quête. Donc. On a bien avancé quand même. Hein. En fait, il nous reste ben, les quêtes et le dernier donjon. Donc, ouais, mais t'as pas besoin d'y aller souvent en fait. Même, je peux te dire que j'y suis quasiment pas allé du tout le jeu. Et non, il est pas grand en fait. Hein. Parce que tu c'est... Il n'y a pas beaucoup d'écran en fait, parce que les portes sont coincées en général. Quand tu peux y aller, c'est vraiment pour le scénario. Mais en fait, t'as pas besoin d'y aller parce que tu peux le faire dans le menu en fait. Tu peux
tu peux augmenter tes fusions dans le menu, quoi. En fait, quand tu y vas, c'est pour le scénario, quoi. En gros, c'est ça. Allez, bah merci d'être passé, hein. Bonne semaine sur Dragon Quest et autres. Merci. Allez, puis là, on reprend la semaine prochaine, de toute façon. Allez, salut.